Ce matin, on a fait un peu le tour de l'hôtel et on allait dans un parc qui s'appelle le parc de la Marina. Et voilà. Ok, donc là on est dans une ville, il y a ma pote qui regarde un peu au lieu, mais on a fait notre programme d'ailleurs. Pour ceux qui seront intéressés, je mettrai le programme le dernier jour, comme ça, enfin qu'on a fait à peu près, comme ça vous verrez. Mais là, franchement, entre le Barcelone qu'on a exploré la journée et le Barcelone de maintenant, on est vraiment sur deux ambiances différentes, quoi. Genre, c'est un peu Maroc, en vrai. Non, c'est ce que tu m'as dit. Donc, en vrai, on est déjà au Maroc. C'est quoi le nom? Ici, la rue, c'est Valka, je pense, comme ça. Voilà. Mais c'est avec le L3. Ouais, le Valkarka. Le Valkarka. Et il y a des oiseaux. Regardez aussi, on voit la montagne de là, mais eux, ils ont tout. On a une belle montée. Moi, j'ai mis des talons. Ouh, ah. Non, t'inquiète. Franchement, on va y arriver. En plus, il y a des escaliers. En bonus. 12. 12. Et c'est ce qu'on a fait déjà. Déjà pas mal. Là, on continue. Hein. Là, ce qu'il y a de marrant, c'est que moi, j'ai acheté ces trucs. Voilà. On crève la chaleur. On crève la chaleur. Si, on crève la chaleur. Je vous assure, j'en peux plus. Mais là, on tient parce que je vais s'attacher les cheveux, mais ça ressemble à n'importe quoi. Ceux qui aimeraient venir au parc Goël, etc., ne faites pas comme nous. Réservez d'abord vos tickets le soir avant de venir. Parce que là, sinon, vous allez attendre. Nous, on pensait qu'il fallait rentrer comme ça, mais pas du tout pour réserver. Mais sinon, la vie est magnifique. Au prochain. Parc non accessible. Comment tu ressens la chose? On est arrivé devant, on a failli réserver et puis ma carte, je sais pas si c'est pas passé ou il était tellement de personnes sur le site que quelqu'un a eu la place avant nous. Imagine, c'est la fille genre qui nous a dit en fait elle a eu la place genre qu'on devait commander. En plus c'est ça, tu te rappelles t'avais pris celui de 18h et puis après t'as dit ah c'est parti. Enfin bref, great. On est arrivé un peu, enfin on pensait se perdre. Mais finalement, franchement, on est en haut d'une colline et on a une vue mais spectaculaire. Deuxième spot. Non mais vraiment, ils ont trop la chance dans ce pays. Vraiment. Notre vue est extraordinaire. En fait, c'est juste des vues à Barcelone. Depuis notre chemin, on ne fait que voir des vues, donc je vous pouvais aussi partager. Sur un pont, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais attendez. C'est fascinant. Genre, il y a un grand étage. Là, il y a le... La ville est... Bon. Oh, je vois bien, on peut y avoir un temps de... On va faire notre hot fight. Hi. Oudala. Oulala. Ouais, allez, c'est bon. Là, le pont, on était et on a fait toute cette descente. Et moi, j'ai toujours en talon. Hein. J'ai pas changé, j'ai pas évolué. J'ai pas pris des baskets. Je suis trop fière de moi parce que j'y arrive. Donc, ça veut dire que les prochaines randos, je peux aller en mode sapé. Là, on a trouvé notre prochain point touristique. Et elle est hyper belle. Déjà, on a pris un billet pour essayer d'aller visiter. 10 euros, vraiment abordable. Ouais, c'est hyper beau. Regardez-moi ça. Bus des touristes. C'est hyper beau. Franchement. Regarde, ma batterie est un peu déchargée, donc comment expliquer ça? Je ne ferai pas plus de trucs, mais regarde-là à peu près. C'est hyper beau. En fait, Barcelone, je sais pas, si un jour je compte vivre quelque part, je pense que j'irai à Barcelone parce que c'est parfait, quoi. Il y a l'histoire, tout y est, quoi. Mais c'est très joli, enfin, je mettrai des risques parce que j'ai pas pris beaucoup de vidéos en truc. Je prenais des vidéos quelques secondes comme des photos. Je ferai un risque et je mettrai juste à côté à la fin. Mais très intéressant, place à visiter. C'est la Simpo Santa Moderna. Comme ça, si vous voulez voir. Et quelle heure? 23... Pourquoi à chaque fois je veux dire 23h? Il est quelle heure? 22h20 et on rentre à la maison. On a fait quoi? On a exploré des zones, j'ai acheté des bijoux. Hein. Je t'ai convertie aussi à l'achat des bijoux. Avec ceci. Voilà. Je suis passée... À chaque fois que je passe dans un truc de bijoux et tout, j'ai trop envie de m'arrêter. J'ai acheté des vêtements encore. Pourtant, j'étais censée ne pas gaspiller énormément. Bref, l'Espagne c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Mais j'ai acheté encore de nouveaux bijoux, celui-là il est trop beau, enfin je peux pas vous montrer assez en vrai. Bref, j'aime trop ce symbole. Donc voilà, on retourne à la maison, on dort et on se réveille demain matin.
salle, elle est magnifique. Regardez-moi ça.